Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour que moi avec nous aujourd'hui à la cadre émission éducation économique. Non pam, c'est Jérémie. Chaque semaine, nous venons avec des sujets, nous venons avec un ensemble de thématiques, ça qui concerne l'actualité. Tout bagage qui vient à voir finance avec économie. Parce que nous besoin de garantie que vous comprenez, besoin de garantie que vous connaissez pour capable prendre bonne décision avec vous. Émission ça les produits et réalisés par la télévision Caraïbe avec film Haïti efficace. Et nous avons une pile page qui relaie l'émission. Un pile monde supporté à travers gens qui distribuent le sur internet là. Et nous avons des radios qui relaie l'émission pour monde qui veulent entendre li avec monde qui veulent garder le tout sur télévision. Donc c'est pour ça que nous saluons les téléspectateurs, nous saluons les auditeurs, auditrices tout de l'émission ça. Jodi a, nous allons parler d'un sujet d'actualité. Nous allons parler de dollars avec goud. Semaine dernière, nous avons parlé de euros avec dollars. Jodi a, nous allons parler de dollars avec goud. Prétexte émission, hein, tout le monde connaît, c'est que dollars dans la rue, les vins pire, dollars dans la rue, les vins piche. Lorsque le souci de Banque Centrale, où est taux de référence? Taux de référence, là, il y a à peu près 1 dollar américain pour 114 goud. Et taux de référence là, c'est un calcul que BRH fait sous taux que banque t'a acheté dollar la veille avec de l'autre acteur qui n'a question dollar goud et font moyenne plus ou moins yon bon idée de qui ça lié. Mais vrai chiffre là, ce chiffre là oui ya, machin formel là qui jodi ya, gè des côtés c'est 135, 136, 137 même 140 goud pour acheter un dollar américain. Et plus on demande un plus gros montant, c'est plus tu as plus exigence sous prix. Et c'est pour ça que nous allons parler de ça aujourd'hui. Nous allons regarder un peu qui s'est passé. Pour qui ça bagarre la dégringoler comme ça. Et qui conséquence que le gain sous nous et qui s'est supposé fait pour résoudre problème ça de manière définitive. N'a tout tout à l'heure pour développer. Quel est mon qu'on a demandé économiste pour que ça pas fixer une valeur pour dollar pour dire un dollar égale tant combien goud et puis nous camper sur ça. Lorsqu'on regarde l'histoire pays a effectivement t'ai gain ça pendant longtemps. C'est pas faut remonter avant net sous époque Sylvain Salnave 1867-1869 t'ai gagné un dollar qui t'ai vaut plus que 1000 goud. Et c'est pour ça que retirer les goudes là, oreilles bourriques, parce que le pas de gain valeur du tout. Vous avez besoin de presque 1000 goudes pour un dollar américain. Et puis au fur et à mesure, et dans les années 1881, vous devinez aligner goudes là sous francs de préférence. Et puis, par la suite, jusqu'à ce que nous arrivions à la convention 13 avril 1919. Le Sahara, vous fixez tout un dollar américain égale 5 goudes. Et c'est justement pour ça, jusqu'à présent, haïtien toujours les 5 goud en dollars. Lors dit moun nan, qui pri bagay ça? Il dit 20 dollars. En fait, la parle de 100 goud. Parce que dans tête li, yon dollar égale 5 goud. Et c'est comme ça que les dollars haïtiens que moun yon utilisé vulgairement, quoique il pas existé de manière officielle. Et de 1919, date ça, et ça nous occupation américaine, jusqu'à 1989, pendant un pile temps, à peu près 70 ans, laisse à mon temps, t'es fixe. Et c'est pour ça, mon qu'on dit sous Duvalier, ou des gon dollars qui gon montant fixe. Yo te qu'on écrit le souli, yo écrit le même, yo dit un dollar égale tant combien goud. Tout le monde connaît qui sa montant est. Pas de bon marché, laisse à cap fixer prix, côté que la peut évoluer de jeudi à demain. En 1989, le ça nous changer régime taux de change fixe là pour nous venir un taux de change qui flexible ou encore flottant. Ça veut dire qu'a prend valeur, qu'a monter, qu'a descendre. Et là nous fait ça, Haïti t'est aligné avec tendance monde là parce que depuis 1976 dans ça nous les accords de Kingston, grand pays yo, grand organisation yo t'est entendre pour que désormais yo pas fixer monnaie encore. Mais à quitter li pour que ces demandes avec offre qui déterminent valeur yon monnaie par rapport à l'autre. Ça veut dire que c'est un volet
libéralisation économique dans les années 70-80. Donc, libéralisation en tout, li vle di que permettre que taux de change yo flotte sans que pa gen moun kap fixe yo d'avance. Et c'est dans ça que nous commençons à vin gen chiffre kap évoluer dans la question good avec dollar. Donc, BRH pa gen mission encore pour que li di qui taux de change que n'a fixé pour pays à respecter. Songe me dit que taux de référence BRH là, c'est constater qui prix au tap 20 dollars hier. Et puis il fait calcul là, il fait moyenne à l'achat pour le bail taux de référence. Donc c'est pas un taux de référence qui a dicté marché là, mais c'est un taux de référence qui a constaté marché là. Donc BRH kounya Wolpal 7, il pas qu'à fixer, mais il a influencé marché là à travers l'argent que l'a vend ou bien l'a acheté dollar ou encore à travers taux d'intérêt que le capable fixer pi haut ou bien pi bas ou encore taux de réserve obligatoire ou encore selon que l'a décidé pour le financer déficit l'état tant qu'il finance le plus c'est tant que ça a agi sous dollar dans le sens que pour le vendre plus valeur par rapport à goud là et nous faire un petit garder rapidement quelques niveaux que dollar tayé sous goud là pendant m'ta dit de 1990 à nos jours. Nous pas gen temps pour nous garder chaque année qui niveau que l'té. M'a ban quelques années pour nous gon idée de président yo qui jan sa té sou youn avec sou l'autre. Lors sous site BRH taux de change qui pi ancien qui affiché dans série a c'est octobre 1990. Lè sa yon dollar té 7 goud 80. Et après nous garder en 1995. Le sa tabal gen transition vers rival. Le sa a te 15 goud. Donc, taux de change dan te gen tan doublé entre 1990 à 1995. Maintenant, en 2001, février 2001, Aristide monte deuxième mandat. Le sa a, ou te besoin 20 goud pour acheter un dollar américain. Ma fon parenthèse, moi gen de moun kap compare un président avec un lot par rapport à jan taux de change de. Son moun pense kou ka fè ça. Là ça faut que tu remonté dans longtemps net c'est comme si me dégradé tant dans la plus longtemps c'est tant qu'économie depuis bon non pas qu'à résumer performance économique avec un taux de change de sinon tout le monde qui pire sans yo a plus mauvais que monde qui était là avant li ka ça oui mais me parle que c'est taux de change là qui dit ça c'est comme si me dégradé monde qui dit que ça ah sous Mateli il était tel niveau était plus bas 40 50 60 gouttes jusqu'à ce que là aller. On moun kap di sa ka di ke l'te bon, mais est-ce moun nan dou soit Aristide, li te nan 20, li te nan 30, sou Prival, li te nan 30. Donc au final, ou pa même ka fè un vrai débat sou sa sou base ki sa taux de change parce que c'est pas ça pas suffit comme indicateur pour expliquer ki jan on économie a fonctionné et ki niveau condition la vie que moun gen. Fè une parenthèse là. Moi di 90 7 goud 80 pour t'acheter dollar américain. 1990. Maintenant, juin 95, il était 15 goud. Février 2001, les Aristide monté, il était 20 goud. Maintenant, il y a un pile mouvement politique 2000, 2001, 2002, 2003, élections contestées, un pile problème, manifestation en 2004, les Aristide allé en février, il était 44 goud. Il est plus que doublé en 4 ans, de 2000 à 2004. Maintenant, jusqu'à octobre 2008, de l'Aristide aller jusqu'à 2008, il était vraiment stable. Au contraire, il était descendu plus bas que niveau que il était en 2004 là. Il était dans 30, il était dans 35, 36, rarement dépassé 40 pour ne pas dire toujours en bas 40, toute période transition, la Tortue Boniface et aussi début Préval, deuxième version. Maintenant, le Préval aller en mai 2011, il était toujours très bas. 40 goud, vraiment, c'est que swap sorti en février 2004, il était 44 goud. Donc, à mai 2011, 7 ans après, il est 40 goud. Ça veut dire qu'il n'est pas vraiment monté pendant 7 ans ça, entre transition et Préval. Maintenant, le Préval allait, Mateli, 5 ans, mai 2011, mai 2016. Nous passons de 40 goud pour un dollar à 62 goud. Dollar. À peu près 22 goud en plus pendant 5 ans. Pour moi, il est relativement acceptable. Maintenant, côté nous prend vraiment en pile montée, c'est sous Jovenel.
Et nous allons expliquer tout à l'heure qui lien ça gagne avec tension politique. Donc de 2017 à 2020 jusqu'à 2021. Il passé 60, 70, 80, 90, 100, 110 jusqu'à ce qu'en octobre, pardon, jusqu'à ce qu'en juillet 2020, il prend sommet à 119 gouttes pour Lola formel. Ça veut dire que ça BRH bail là. Mais dans la rue, il était plus loin, longtemps plus loin, en fait, plus haut que niveau 119. Cependant, qu'on a là, moins en 2022, tout changement très haut. Dans le marché formel là, dans la banque, j'en ai affiché là, taux de référence BRH 114-115. Donc ça veut dire que nous exactement dans le niveau 119 que nous avons parlé de l'IA en juillet 2020. Songez, l'IA font descendre en août-septembre 2020. Laisse à gouvernement te fait un combine pour que li provoquer en chute pour que l'ola te vienne 60 goud. Mais c'est pas économie qui te déterminé ça. C'était pouvoir politique qui t'a influencé. On te dit ça déjà. Ça a gagné 2 ans et li remonté. Et qu'on y a là nous a continué remonter et nous risquer aller plus loin toujours. Si que ça ne pral dit dans faire émission yo pas fait. Donc nous devons faire un retour ça pour nous être capable d'avoir une idée de qui sa situation est. Nous avons tourné tout à l'heure pour nous garder qui ça fait aujourd'hui, les toutes routes ça dans la rue, nous avons payé un dollar, 140 gouttes. Nous avons tourné. Nous avons un premier élément pour nous garder, pour nous comprendre qui ça fait un taux de change à décocher comme ça. C'est tension, incertitude, crise politique. Mouvement qui pral créer ça nous relève en économie anticipation négative. Ça veut dire que moun yo, business yo, acteur yo, agent économique, tout moun pense li pral pi mal. C'est ça nous relève en bon français anticipation négative. Tout à l'heure, on t'ai parlé de qui Jean dollar te font décrocher sous Aristide 2000-2004. Ça qui t'est passé pendant période ça, t'es gain en pile crise politique. Élection mai 2000 t'est mal organisé, en pile magouille, contestation, parlement, manifestation, et cetera dans Aristide. 4 ans ça, nous t'ai ouais que dollar pendant petit crastan ça t'est plus que doublé. Ça veut dire que gon lien étroit entre instabilité, tension politique, tout problème ça, incertitude avec qui Jean dollar goud capable bouger. Et deuxième moment, nous, ouais, que dollar a éclaté encore, c'est sous Jovenel. De 2018 à 2021. Nous pratiquement doublé dollar en 3 ans, même j'en ai doublé en 4 ans, de 2000 à 2004. Et pas rien, aucune fois encore, nous, ouais, dans la période, ça, que l'été allé aussi vite, nous t'a dit, pendant 20 dernières années. Donc, ça veut dire que si une première façon pour m'expliquer ça qui a passé, hein, c'est que l'île lié en pile avec instabilité, avec incertitude, avec tension politique que nous gagnons depuis 2018, 2019, 2020, 2021 jusqu'à aujourd'hui. Avec tout ça que nous gagnons. Ça veut dire que l'économie très sensible par rapport avec stabilité ou instabilité. Deuxième élément pour nous comprendre ce qui a passé là. En pile monde ouais que haïtien pral Saint-Domingue. Très bien. Mais oubliez que l'argent haïtien pral Saint-Domingue tout. C'est pas seul monde yo calé. Là monde yo allé. L'on famille décidé à l'installer Saint-Domingue. Là on monsieur voye madame ni allé. L'on famille madame monsieur voye petit yo allé. Là gon couple monsieur allé, madame na allé ou bien petit yo allé, parents rete. Non pas c'est ça conséquence. Li fait que dollar à l'autre bois. Nous pas qu'à voir good pour famille aussi au l'autre bois. C'est dollar pour nous transférer ba yo. Mais chiffre là. À peu près 10 à 12 millions de dollars américains aller dans transfert l'argent sur Haïti à Saint-Domingue chaque mois. Qui vient faire que Saint-Domingue vient premier destination transfert diaspora cap sorti Haïti qui parle à l'étranger. Donc ça dit que c'est Saint-Domingue nous voyons plus transfert dans le monde là. Et fois ça, il dépasse les États-Unis. Ça veut dire que c'est pas aux États-Unis que Haïtiens en Haïti fait plus transfert encore.
Mais c'est Saint-Domingue que nous voulons transférer. Pour 10 000 raisons. Pour payer l'école, pour payer le loyer, pour acheter manger, pour faire toute bagaille que nous avons besoin. Ça veut dire que plus moun bral Saint-Domingue, j'en là, c'est plus dollars à quitter Haïti pour Saint-Domingue. Donc, gon pression là. Mais chiffre ça, m'sout baye d'aller, hein. C'est chiffre que yo connaît. Et ça la connaît. Quand c'était moun qui passe à dos, là, pour Saint-Domingue, sous frontière, dans valise, dans bousse, dans sachet, en bas coup, c'est machine, nous pas ouais. Yo pas formel. Yo pas passé dans transfert, l'argent. Yo pas passé dans banque. Ça veut dire que chiffre là, capable beaucoup plus élevé que ça. Il passe en conséquence sous ça n'a vivre là aujourd'hui en termes de pression sous dollar et tout le monde ça besoin de dollar en cash pour aller puis aller voyer non by famille by amis by proche ou encore pour aller pour tête d'ailleurs c'est la mon vibe pas gain vraiment programme qu'a fait Haïti. Troisième élément, le fait que prix gaz a monté dans le pays là dans le monde là tout. En fait, dans le monde là, parce que Haïti pas fait gaz. Lors des deux années dernières à nos jours, dans la même époque là, gaz là presque augmenté de 50%. Ça veut dire. Ça veut dire que vous avez besoin, attendez bien, pour exemple simple, mais ça 50% augmentation de prix, vous l'avez dit. Il veut dire que si vous avez payé gaz là, 100 dollars, vous avez 150 dollars, vous avez payé. Ça veut dire pour m'acheter même quantité de gaz l'autre bord pour Haïti consommer. M'a besoin de mettre 50% de cob que m'te kon paye ya pour mettre le sous cob là pour m'acheter même quantité ya. Ça veut dire que pour même quantité de gaz Haïti a consommé, nous obligé mander plus de dollars parce que gaz la piche. Voilà. Et gaz, pour qu'on parle, c'est presque un cinquième de l'importation que Haïti fait chaque année. En pile. Il est très proche de 1 milliard de dollars américains annuels. Mais dans les prix à augmenter, il va demander que n'acheter avec plus l'argent. Mais coup de dollar ça a sorti. C'est goutte qui va changer pour acheter dollar pour vendre l'autre bord. Même pas le faire nous un bagaille. Pourquoi ça les techniques Petro-Caribé pas de tout problème ça? Parce que Petro-Caribé était qu'on vend gaz là en grande partie à crédit et ça Petro-Caribé. Ça veut dire que vous achetez gaz dans le Venezuela ou bal 30% 40% cobla, tout reste là où doit l'île. Pour 25 ans. Donc, l'argent, ça, l'État a supposé payer Venezuela, li Kembel, c'est lui-même qui font Petro-Caribe. C'est-à-dire, son l'argent, l'État a supposé payer gaz là, et puis le Kembel, comme il dit, le bal crédit. C'est ça qui font Petro-Caribe. Pour le monde qui va jamais comprendre. Donc, nous pas jamais une pression pour nous bailler 100% cob là. Ça veut dire que chaque là n'a pas acheté Venezuela pour 100 dollars gaz, nous te compte bal 30 dollars nous kembe 70. L'état kembe 70 dollars. Pas l'impression. Pas un pire ça encore. Depuis 2018, pire la fini. Qu'on a assez kembe kob ou nan mon cash à l'acheter sous marché. Ou pas gen kob ou pas acheter gaz. Simple. Pression. L'autre élément qui est important, c'est que le fait que Jean l'état dit là que Jean gaz là Jean la vanne en prix Haïti ya, par rapport à Jean le monter l'autre bord avec question guerre Ukraine et cetera aussi l'État a annoncé année dernière que li dépensait à peu près 30 milliards de gouttes pour ka kembe prix gaz nan pompe lan nan niveau lié ya. Parce que pour le kembe le konsa le payer nan place nous très bien mais le la payer nan place nous hein, ça va le faire déficit budgétaire parce que 30 milliards de gouttes râler non budget, c'est quand même beaucoup d'argent. Et là, le fait déficit budgétaire, bon, moun yo le BRH qui pral remplacer déficit, qui pral combler déficit à bouli. Le BRH fait ça. C'est de la création monétaire. C'est goud yo augmenter l'économie chaque fois gen déficit. Donc, le fait que dollar, pardon, le fait que gaz la monte, pression, l'État fait déficit, nan financer gaz, etc. Li vin alimenter déficit budgétaire là qui c'est lui-même une raison pour qu'on parle qui fait que goud gen moins valeur parce que c'est plus goud que BRH a augmenté sous marché là chaque fois le financer déficit l'État haïtien. Année passée, il a dépassé 50 milliards de goud. Par contre qui ça l'a venir année le temps pour le 30 septembre.
même sur l'app dans même niveau yo. Tout ça alimenter goud là pour faire vinn gen moins valeur et pour faire dollar vinn renforcer. Maintenant, gagner des autres raisons structurelles que nous connaissons déjà. Pas gagner assez touristes qui viennent à Haïti. Côté à venir. Qui bon? Dans qui ça? Dans qui pays? Qui sécurité? Saint-Domingue pense qu'il a gagné 7 millions de touristes à l'année 2022. Je ne suis pas certain Haïti a gagné 200 000 personnes. Laisse ça bon, nous avons gagné 500 000. Mais, nous avons une situation, hein? Diaspora qui représente presque moitié revenu touristique à Haïti. Il n'y a pas venu dans le pays à gens qui sont supposés venir. Il y a des gens qui sont venus. Mais il n'y a pas venu dans le rythme qui sont supposés venir. Mais tout ça, c'est dollars en moins que le pays a perdu. Parce que le transfert d'argent a toujours fait. Mais si vous voulez transférer et puis venir tout avec l'argent dans la poche, venir dépenser, c'est doublement que l'argent rentre dans le pays. Même j'ai tout, situation fait que pas qu'il y a un investissement étranger, mon cap vient investir dans le pays. Pas de ça. Pas un dollar. Une équipe de prêts, de dons, de qu'on fait pays dans les années après tremblement, il y a une pire. Un autre élément important, c'est le transfert diaspora. Deuxième trimestre, ça veut dire janvier, février, mars 2022. Deuxième trimestre, avril, mai, juin 2022. Nous remarquons qu'il y a une petite baisse, un petit ralentissement dans le niveau de transfert diaspora fait en Haïti. Et nous connaissons que c'est la principale source de rentrée d'eau là dans le pays. Très important. Il faut comprendre ça. C'est à peu près 4 milliards de dollars annuels en temps normal. Et nous voyons que deux trimestres sont passés à l'antijan baissé. Et le baissé pour deux raisons, principalement. D'abord, l'inflation qui vient aux États-Unis. Parce que les États-Unis, c'est quand même presque 60, presque 3 quarts de transfert, c'est là, 76%. Inflation. Tout bas est tête nègre aux États-Unis, qui fait que cousin, tonton, frère, c'est comme si vous avez une petite pression en plus sous lui par rapport à l'argent. Non, mais parce que le gaz augmente aux États-Unis de 46%. Hein, et produits alimentaires, c'est presque 15%. Et mortgage, ça nous est les paiements à faire sous HTK, il quand même augmenté de presque même niveau, hein, entre 10 et 20%, selon qui côtoie. Donc, Mounio, comme si m'de gadou, il vient réduire le revenu qui n'a mais les amis, famille, nous, en Claude Bois. Donc, il vient moins de possibilités pour faire même niveau de transfert. Faut nous comprendre. Mais deuxièmement, l'argent, il a baillé, cash, il a baillé, le COVID, l'année passée, il va baillé encore. Ça fait deux. Et plus que ça, il y a l'autre bagaille qui est important, que m'ta aimé nous comprendre. C'est que gagner y a un marché informel jodi a là qui vient bien important. Il faut comprendre. Gon circulaire que BRHT prend qui est le circulaire 114-2 qui dit que maison transfert pas supposé ba moun dollar encore c'est good. Son bagage qui très contesté en pile monde pas content et li ont ti gens dérégler marché. Très bien. Qui ça passe? Déjà, il dit, sou vraiment besoin de là, fais mon nan fèl sou compte pour ou, et puis laisse ça wagen sou compte en banque. Moun yo, effectivement, yo tende ça, et yo applique l. Et m'bal ban un chiffre. Jodi ya, à peu près 50% transfert que vous Haïti passe par les comptes en banque. Parce que Haïtien dit li, li bave goud. Et de là l'vle. Qui ça passe kounya? Là, il dit, il recevait 50 dollars américains qu'on m'envoie et balé. Transfert, mais sous compte lui. Sous compte banque lui. Mais de toute façon, on va changer là. Mais, il ne peut pas changer le banque là. Parce que le banque là, il y a tout qui est trop bas. Il va changer de dollar. Nous sommes tout, oui. 114, 115 que banque yon baille. L'on balle dollar, la bosse 14 goud. Si mon al 2 yon, il y a 140 goud. Ça fait presque 30 goud différents sous chaque dollar. Et puis, si bien pour vous, si c'est 1000 dollars à changer, ça fait 30 000 gouttes. Mon nan dit, bala changer le 2 yon pour le café plus goud. Qui vient faire que, banque yon pa recevoir assez moun kap 20 yon dollars. Donc, marché a vin pi 2 yon banque que jamais. Ou vin non sa relé, on se
désintermédiation. Ça veut dire que activité parfaite dans l'institution encore, c'est de yon que l'échange a fait. Donc de yon a alimenté et de yon a pas gagné aucun contrôle. BRHK a dit que l'a sanctionné en banque, si banque l'a fait des ordres. BRHK a sanctionné un individu qui charge de dollars dans boîte 4 en Cap 20. Et c'est tout ça pour comprendre. Le l'argent de yon n'est pas aucune façon capable de sanctionner, contrôler, superviser, même évaluer. Et pas un monde qui est tout Cap 20 dollars. Parce que yon pas une licence pour faire, yon pas formel. Maintenant qu'on l'autre bagaille, ça est très important. Gouverneur Banque Centrale a dit ça une fois dans l'interview. Il dit que c'est pas problème de la gain. C'est parce que c'est cash nous besoin qui fait un problème, qui fait un bac à joindre. Ça dit à bon sens. Ça veut dire que au final, c'est parce que nous besoin l'argent dollar en cash qui fait que nous bac à joindre. Donc, si que c'est sous compte MLTE, mais pas son chèque, m'paye au monde. Mais ça m'a besoin de prendre dollar. Moun n'a pas besoin de prendre dollar tout. M'pas son chèque de compte, mais à compte moun. M'pas son code. Et puis qui juste prend cobla sous compte moi et puis paiement fait. Pas gen moun ki manye dola, pas gen moun ka chercher dola en cash aucun côté pour mettre dans poche. Ça veut dire que le fait que cash c'est meilleur, c'est principal moyen que nous utiliser pour nous faire échange. Li vient fait que nous plus besoin gen cash. Même pas bonne vérité. Le vous est transfert pour nous en Haïti. Nous allons comprendre que dola rentre dans pays ya, non avion. Même joie, non boîte carton. Non. Gouverneur a te dit ça. Pas même un tiers de la quantité de l'argent qui est transféré en Haïti par année qui arrive en Haïti en cash. Ça veut dire chaque fois que 1000 dollars que vous voyez comme transfert en Haïti, à peine 300 dollars qui rentrent en cash, reste 700, c'est ici qui pour bailler si moun nan ta rien mais gagner 1000 dollars en cash. Ça veut dire que nous avons pression parce que nous avons besoin de la cash. Donc, si le système paiement, le système que nous avons utilisé pour nous faire échange, te modernisé, nous avons utilisé moins cash, nous avons moins pression sur le dollar. Dernier élément que je vais parler de lui, je vais dire avant dernier. Le dollar comme ça, parce que nous avons fait comme j'en ai. Fon ba vérité. Non, on n'aime pas peur. Gen moun ka fè kòb. Et gen moun ki besoin que dola a monté. Et gen moun ki bénéficie de ça. Le moun n'a pas acheté dola nan marché formel 114 goud. La vann moun yo a 140 goud. La vann 10 000, 20 000, 30 000 long journée. Sans pile kòb. Sou fè 30 goud son dola. Ou vann 10 000 dola. Ça fait 300 000 goud. Ah, c'est la jouette, non? Maintenant, de 10 000 là à 100 000 dollars, ça fait 3 millions de bénéfices. Donc, il y a des gens qui sont dans le business là. Et des gens qui bénéficient de la bon marché là, de banque. Ou encore, exportateur qui vend l'autre bon qui rentre de là. Et bien, les mêmes cap qui jouent de là. D'ailleurs, les gens qui vend l'autre bon à Walmart qui ça, ça paye. Et bien, là, vous à n'importe qui prix. Et c'est pour ça que je dis toujours, banque avec exportateur, pas déranger les dollars pour monter. Au contraire, ils font des gains sur dollars, ils font des gains, ils font des bénéfices sur les. Et quand on voit des chiffres côté monde qui exporte dans le textile, ils font plus comme dans dollars pour monter que dans le vendre pour produit ou vendre. Vous saisissez? Nous pensons que dollars qui monter à déranger tout le monde. Il va déranger tout le monde. Même pas le plus loin. Si Haïti te kon vraiment exporté en pile, ben t'as bon problème, non, que dollar gouda perdi valeur. Parce que un pays qui exporte en pile, c'est-à-dire une économie qui a fait exportation, il t'a pi bon que dollar, pardon, l'argent va gagner valeur. Mais ce n'est pas le cas. Haïti n'est pas une puissance de l'exportation. Nous pas exporté en pile. Donc, li pi dérange parce que nous pas exporté. Si nous pas exporté, ok. Nous avons l'argent qui est faible, il a bon. Dernier élément, pas des moindres. Situation comme ça,
parce que dollar plus fort sous monde là. Dollar prend pile valeur par rapport à euro. 12 à 15% par rapport à début année ça. Dollar plus haut par rapport à yen japonais. Dollar plus haut par rapport à canadien, dollar plus haut par rapport avec différents modèles. Bon, la Chine ni même c'est gouvernement fixé par là. Il pas vraiment prendre chaleur, connait. De bou gen gros l'amour, gen gros l'argent, ou pas prendre pression. Dollar vient plus fort. Et ceci, moi regarde bien, moi ouais que pendant de 1960 à nos jours, trois fois seulement que dollar était plus fort que j'en ai aujourd'hui. Pendant toute 60 ans ça. Ça veut dire c'est bon bah simple n'a pas gade là, dollar très fort. Et s'il faut par rapport à toute monnaie, la faute ou par rapport à goud. Donc, nous pas qu'à une explication seulement en Haïti, faut que je tout par rapport à un dollar qui est fort à l'international. J'espère que tu comprends la cause. Nous allons regarder qui ça veut dire pour nous-mêmes, en tant que Haïtiens qui vivent dans le pays, ya. J'ai un dollar pour augmenter ya. En termes de conditions de vie. Abtoune. Conséquence qui est plus claire, n'a fait dollar qu'à ponte ya, c'est la vie chère. Tout le monde voit, tout le monde sent. On pas besoin de dire nous gagner la vie chère. On pas besoin de nous chiffre inflation pour nous connait ça. Dernière inflation qui publié par IHSI a parlé de 27.7% à peu près. Mais ça va veut dire hein, par rapport à vraiment ça n'a subi comme la vie chère. Et tant que n'al plus loin, la vie chère a pire toujours. Surtout pour Sud, qui frappe par Matissan, avec tout problème qui gagne. Grandance lui-même, qui à la fois gagne Matissan et gagne pont en crase, qui fait que traverser plus difficile. Donc, produits alimentaires particulièrement, viennent extrêmement cher, c'est-à-dire manger. Et là, on gagne ça. On paye côté monde, pas de travail, et puis manger viennent cher comme ça. Spaghetti, du riz, l'huile, blé. Toute qualité bagaille, saumon, même sac saute dans terre, banane, carotte, toute qualité fruits, cher. Nous pral gagner des conséquences sur ça nourrir les insécurité alimentaire. Ça veut dire moun pral gagner plus difficulté pour manger chaque jour. Mais l'affecté vente entreprise yo. Il faut entreprise à chercher dollar, il pas joindre. Il y a moun connaît gagne business qui ferme peut-être dollar. Mon antenne distribution ciment, mais client ou pas jeune dollar pour Bali, il pas qu'à vendre encore. On connaît la tégon l'école, faut le payer loyer en dollar, pas qu'à joindre. Et puis l'école la fermé. Ou encore quantité goud la rentrer dans élève qu'à payer yo, parce qu'il pas qu'à fixer l'école là en dollar, alors que la paye loyer en dollar. Ça crase business, ça affecte économie. Et moun et business, même l'état tout. Ça affecte elle. Maintenant, qui réponse? C'est ça qui est important. Qui sa réponse que tu as supposé? Nous ne venons pas là pour expliquer le problème seulement. Mais nous venons pour expliquer qui ça nous supposé faire. Il n'y a pas de bagage dans la main de comprendre. Les gens qui vendent de l'argent, achètent de l'argent, ou vle, après, ou vle, ça prouve que y a un problème de régulation et de contrôle. Il faut gagner. Renforcement dans la question contrôle avec supervision. Dispositif que BRH a dans le jeudi n'a pas permettre que le superviser tout le monde pour mettre contrôle sur yo. Supposé gagner renforcement dans le niveau ça. Parce que la loi dit c'est moun qui gagne licence pour 20 dollars, 40 dollars. Et qui est-ce qui gagne licence? Les bureaux de change et les banques. Tout le monde a vendu, tout le monde a acheté. Ça veut dire qu'on a un problème de contrôle, un problème de supervision, un problème de régulation. Donc, soit il y a une loi pour sortir encore, soit il y a une loi pour appliquer. C'est soit il y a l'État, ou pas il y a l'État. Deuxième élément, il faut que l'économie ait l'ordre là-dedans. Qui joue pour stabiliser le goutte d'eau là, dans l'économie pas marché. Économie crasée. On insécurité à une crise politique qui prend nous en otage. Pas d'investissement,
pas de production, etc. etc. Donc, pour une stabilité, il faut l'économie à marcher. Il faut politiquement une stabilité pour qu'on ait une stabilité dans tout change. T'as l'air de well. De 2000 à 2004, dans le mouvement GTA Aristidio, le dollar éclaté dans le même. De 2018 à 2021, dans le mouvement Jovenel, anti-Jovenel, tout mouvement ça a eu, le dollar éclaté dans le même. Insécurité. Mais aussi, moi, je dis que finance publique supposé gagner plus discipline là-dedans. Ça veut dire que pour l'État fait moins de déficit, pour l'État rentrer plus l'argent. Plus l'argent, bref, je dis, lutter contre corruption, lutter contre contrebande, lutter contre criminalité, tout, qui empêche l'économie à marcher. Nous, on a un petit effort qu'on a fait au niveau douane pour commencer à identifier des gens qui ont une question d'importation d'armes. Mais nous voulons plus. Mais nous ne voulons pas simplement des armes, des saisies armes, mais nous voulons plus de gens à l'ébao. Parce qu'il y a une liaison avec ça. Mais en même temps, tout, est-ce que nous pouvons gérer la question ça, les que culture nous toujours dans affaire cash? Nous avons une obligation pour que nous fassions transition, pour nous aller vers une économie qui est capable de moderniser en termes de moyens de paiement. Plus mon utiliser online, plus mon utiliser carte, plus mon utiliser chèque, l'autre bagaille capable de faire moins cash. Et si nous avons moins besoin de cash, nous avons moins pression sur le dollar, et le dollar est capable un peu calmer. Principe là simple. Depuis qu'on bien, nous pas besoin, nous pas chercher, nous pas faire folie pour lui, il pas gagner valeur. Valeur bien, valeur dollar, c'est parce que nous besoin, c'est parce que n'a chercher, c'est parce que tout monde a mis pression sur lui. Est-ce que fait bois dans la rue? Est-ce que cher? Non. Est-ce que de l'eau dans la mer ou ka vendre ni cher ou vendre beau qui te cher? Non. Il est disponible. C'est sa question. Dernier élément, hein? C'est injection BRH que me devait font questionner, parler de ça. Il y a des gens qui disent, nous pas encore, non? Ils ont toujours fait. Et BRH toujours dit, s'il pas de faire, il t'a pris mal. Selon l'étude qu'il fait. Maintenant, même avec vous. L'injection, en fait, faut le faire chaque semaine. À qui l'argent? À qui réserve? Et là, le fait tout, le système absorbe rapidement parce que ce n'est pas suffisant. Groupe autant à la banque avec importateur généralement qui compte bay dollar, les gens qui ont pétrole, etc. Ça, dollar, quoi est-il? L'a injecté. L'année passée, il a injecté en pile presque 900 millions de dollars. Entre payer gaz avec faire injection pour calmer dollar. Ça, le bay. Dollar a monté pire. Le problème n'est plus profond que ça. Problème dans la culture, utilisation cash, problème dans la stabilité politique, problème dans l'économie qui se pose relancer, problème dans un pays qui se pose créer conditions pour l'argent qui a rentré là-dedans, dollars, touristes, investissements, diaspora, etc. C'est tout ça que je voulais partager avec nous. Mais cette émission a été utile, nous avons appris et songer que je suis toujours disponible pour que je prenne feedback. Yo. Que ce soit en bas live là, mais nous avons écrit tout. Sous email, moi, et jeremil@commercial.gmail.com. Ou qu'à contacter nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, même TikTok, mais pour nous assurer que nous en contact avec tout le monde. Ou qu'à écrire sur LinkedIn tout. Ou qu'à garder l'émission ça en permanence sur YouTube. Et pas oublier nous abonner à Chanel nous. Pour qu'à gagner notification chaque fois que une nouvelle émission qui sortit. N'a dit merci Télévision Caraïbe. Merci Haïti Efficace qui supporte l'émission. Merci toute page qui ouvre l'émission pour faire arriver bien loin. Merci à Radio qui diffuse l'émission. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez écrire sur email nous. Et dire email@commercial.gmail.com pour parler de Radio Parola pour nous capable bon audio pour bali dans l'heure que vous voulez dans la semaine. Mais plus gros remerciement, c'est pour vous-même qui toujours fidèle à l'émission, qui suivent. Qui like, qui commente, qui partage. D'espérer que vous êtes satisfait aujourd'hui. Et n'a croisé semaine prochaine. Kembe la, palage. Non pas, c'est 10 000. À très bientôt. Merci.